Fabien Monod, je suis exploitant d'une petite exploitation arboricole près de Saint-Rémy-de-Provence. C'est une exploitation familiale qui est issue de 3 générations d'arboriculteurs. Mon exploitation a une surface de 15 hectares, essentiellement en pommes et en poires bio. Pour des raisons de santé, mais aussi parce que je me suis rendu compte que la façon de produire en conventionnel nous amenait dans une impasse. Et parce que je me suis rendu compte au bout de 20 ans d'activité que toute la faune auxiliaire, tous les prédateurs, tous les petits insectes qui font la richesse de l'agriculture et du paysage agricole avaient disparu. Donc j'ai eu comme évidence de supprimer totalement les produits de synthèse pour que je retrouve une agriculture un peu plus durable. Des variétés de pommes d'été, ça va de la Primo Rouge à la Gala, à la Reinette de Reinette, à l'Elstar. Oui, et j'ai sélectionné 2 variétés, une variété acidulée et une variété dite un peu plus sucrée, type comme Gala. Et donc ce mélange Gala-Reinette apporte un équilibre dans mon produit, à savoir ni trop sucré ni trop acidulé, et ça donne un goût incomparable. Le jus de pomme Gala-Reinette est un produit sans sucre ajouté, à savoir que c'est du 100% jus de fruits. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sucre. C'est essentiellement le résultat de la pression des fruits. D'une variété William, une variété du sud de la France, à l'occurrence de la Provence. C'est une variété qui est ramassée en août et qui est pressée début septembre. Les filtres se font de façon chimique par des enzymes. Donc si on veut un produit bio, on ne passe pas par un filtre. C'est pour ça que mon jus de fruits est trouble. D'accord.